Sont des secteurs à pénibilité. Moi, en l'occurrence, je suis dans le médical, aide-soignante. Je pense que même à 60 ans, déjà, on commence à avoir mal au dos. Hein. Même là, à 39 ans, j'ai mal au dos. Je ne tiendrai pas jusqu'à... On porte des charges lourdes. Et pour moi, perso, et mes collègues, on ne tiendra pas jusqu'à leur âge qu'ils ont décidé. Je suis gardienne d'immeuble. Et la pénibilité, nous la connaissons déjà depuis un petit moment. Et je vois très mal, aussi bien moi que mes collègues, aller jusqu'à 64, 65 ans. On ne prend même pas la peine de consulter le peuple. On prend en force des décisions. Eux qui sont dans leur bureau, nous, nous sommes sur le terrain avec la pénibilité et tout ce qui s'ensuit. À un certain âge, on ne pourra plus exercer nos missions. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment pris en compte. Si on suit la réforme, on aura aujourd'hui des pompiers sur le terrain qui auront 62 ans. À 62 ans, on pourra difficilement monter dans un étage, aller faire un sauvetage dans les temps qui nous sont impartis. Je pense que je n'aurai peut-être pas de retraite. Enfin, je ne sais pas dans quel état je vais arriver à la retraite. Je l'imagine de très très loin. Nous, on est enseignants. Avant, être enseignant, c'était une sécurité. La sécurité n'existe plus et plus pour plus personne en fait.